Le coronavirus aime le chaos en Équateur, les services mortuaires complètement dépassés. Avec des centaines de cadavres dans les logements faute de place à la morgue et des services hospitaliers et funéraires débordés, le coronavirus frappe de plein fouet Guayaquil, capitale économique de l'Équateur, devenu le symbole du chaos provoqué par la pandémie dans un pays pauvre. L'Équateur, 17,5 millions d'habitants. Est, après le Brésil, le deuxième pays le plus touché d'Amérique latine par la pandémie de Covid-19. Officiellement, il dénombre 7500 cas et 333 morts. Il a décrété l'urgence sanitaire et la fermeture des frontières. Mais rien qu'à Guayaquil, port de 2,7 millions d'habitants sur la côte pacifique sud-ouest, Georges Ouattet, chef d'une force spéciale déployée depuis trois semaines par le gouvernement pour collecter les cadavres, indiquait que le nombre de corps, Récupérés dans les habitations, avec la force spéciale à dépasser les 700. Degrés, degrés, degrés retrouvés, tout notre dossier sur le coronavirus au total, cette force spéciale, policière et militaire, a collecté 761 cadavres dans des domiciles, auxquels s'ajoutent 631 corps, dans les hôpitaux dont les morgues sont pleines, a-t-il ensuite précisé sur Twitter, sans préciser les causes de ces quelques 1400 décès. Selon les chiffres officiels, la province de Guaya concentre 72 des cas de coronavirus et Guayaquil, sa capitale, compte à elle seule environ 4 malades du Covid-19. La force spéciale policière et militaire a été créée après l'effondrement des services mortuaires de Guayaquil, qui a entravé obsèques et inhumations, alors qu'un couvre-feu quotidien de 15 heures est en vigueur dans tout le pays. Des jours durant, des centaines de cadavres ont été laissés chez eux, voire dans les rues, enveloppés de plastique noir. Des habitants ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de corps abandonnés et des appels au secours de familles voulant enterrer leurs morts. Le gouvernement a pris en charge les inhumations devant l'impossibilité des proches d'y procéder pour diverses raisons, notamment financières. Georges Ouattet a précisé dimanche que les restes de 600 personnes identifiées avaient été enterrés. Les inhumations se déroulent sans la présence des proches et des victimes. Les noms des défunts figurent sur un portail électronique créé par le gouvernement pour que les proches sachent où leurs morts sont enterrés. Des voisins du cimetière de Pascual ont posté des vidéos qui montrent des camions remorquant des conteneurs frigorifiques entrant sur le site escortés par des policiers. Faute de place dans les morgues, la municipalité de Guayaquil a fait placer près des hôpitaux et de la police médico légale des conteneurs qui servent de dépôt pour les cadavres. Et le pire est à venir. Selon des déclarations de M. Watte, il y a près de deux semaines, les experts médicaux estiment malheureusement que les décès dus au Covid atteindront dans les prochains mois entre 2500 et 3500, rien que dans la province de Goya. Degré, 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 à lire aussi, coronavirus, la pandémie montre des signes de ralentissement en Europe et aux États-Unis. Le président Lenin Moreno a annoncé dimanche avoir décidé de réduire de moitié son salaire, et ceux des autres fonctionnaires de l'État devant la crise économique liée à la pandémie et la chute des prix internationaux du pétrole. À Guyaki, le taux de pauvreté atteint 11,2% selon des chiffres officiels de décembre. Chômage et sous-emploi touchent 20% de la population active. Le pays devrait enregistrer une contraction d'au moins 4% de son économie en 2020 à cause du coronavirus et de la chute des cours du pétrole, a déclaré dimanche le ministre de l'économie Richard Martinez. Les autorités tablaient au départ sur une croissance de 0,7% cette année, après un recul de 0,08%. L'Équateur est privé actuellement d'exportations pétrolières par des ruptures sur ses deux oléoducs, dont la réparation prendra un mois selon les autorités. Sous programme avec le Fonds monétaire international, le pays a demandé la semaine passée un moratoire sur le paiement de 811 millions de dollars d'intérêts sur sa dette publique, qui approche 41,8 milliards de dollars, afin de dégager des ressources pour lutter contre le coronavirus. Le pays a vécu en octobre une dure crise sociale, 8 morts, après le doublement des prix des carburants-finalement-annulés-consécutifs à la suppression de subventions. M. Moreno avait transféré le gouvernement à Guayaquil et accusé son prédécesseur et ex-allié Raphaël Cori, 2007 à 2017, d'avoir activé un plan de déstabilisation aidé par le Venezuela. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Avec des centaines de cadavres dans les logements faute de place à la morgue et des services hospitaliers et funéraires débordés, le coronavirus frappe de plein fouet Guayaquil capitale économique de l'Équateur, devenu le symbole du chaos provoqué par la pandémie dans un pays pauvre. L'Équateur, 17,5 millions d'habitants, est, après le Brésil, le deuxième pays le plus touché d'Amérique latine par la pandémie de COVID-19. Officiellement, il dénombre 7500 cas et 333 morts. Il a décrété l'urgence sanitaire et la fermeture des frontières. Mais rien port de 2,7 millions d'habitants sur la côte pacifique sud-ouest, Georges Ouattet, chef d'une force spéciale déployée depuis trois semaines par le gouvernement pour collecter les cadavres, indiquait que le nombre de corps récupérés dans les habitations avec la force spéciale a dépassé les 700. Degré, 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 retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus au total, cette force spéciale, policière et militaire, a collecté 761 cadavres dans des domiciles, auxquels s'ajoutent 631 corps, dans les hôpitaux dont les morgues sont pleines, a-t-il ensuite précisé sur Twitter, sans préciser les causes de ces quelques 1400 décès. Selon les chiffres officiels, la province de Goya concentre 72% des cas de coronavirus, et Goyaquille, sa capitale, compte à elle seule environ 4000 malades du Covid-19. La force spéciale policière et militaire a été créée après l'effondrement des services mortuaires de Guayaquil, qui a entravé obsèques et inhumations, alors qu'un couvre-feu quotidien de 15 heures est en vigueur dans tout le pays. Des jours durant, des centaines de cadavres ont été laissés chez eux, voire dans les rues, enveloppés de plastique noir. Des habitants ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de corps abandonnés et des appels au secours de familles voulant enterrer leurs morts. Le gouvernement a pris en charge les inhumations devant l'impossibilité des proches d'y procéder pour diverses raisons, notamment financières. Georges Ouattet a précisé dimanche que les restes de 600 personnes identifiées avaient été enterrés. Les inhumations se déroulent sans la présence des proches des victimes. Les noms des défunts figurent sur un portail électronique créé par le gouvernement pour que les proches sachent où leurs morts sont enterrés. Des voisins du cimetière de Pascual ont posté des vidéos qui montrent des camions remorquant des conteneurs frigorifiques entrant sur le site escortés par des policiers. Faute de place dans les morgues, la municipalité de Guayaquil a fait placer près des hôpitaux et de la police médico-légale des conteneurs qui servent de dépôt pour les cadavres. Et le pire est à venir Selon des déclarations de M. Watte, il y a près de deux semaines, les experts médicaux estiment malheureusement que les décès dus au Covid atteindront dans les prochains mois entre 2500 et 3500, rien que dans la province de Goya degré 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 à lire aussi, coronavirus, la pandémie montre des signes de ralentissement en Europe et aux États-Unis, le président Lenin Moreno a annoncé dimanche avoir décidé de réduire de moitié son salaire, et ceux des autres fonctionnaires de l'État devant la crise économique liée à la pandémie et la chute des prix internationaux du pétrole. À Guyaki, le taux de pauvreté atteint 11,2% selon des chiffres officiels de décembre. Chômage et sous-emploi touchent 20% de la population active. Le pays devrait enregistrer une contraction d'au moins 4% de son économie en 2020 à cause du coronavirus et de la chute des cours du pétrole, a déclaré dimanche le ministre de l'économie Richard Martinez. Les autorités tablaient au départ sur une croissance de 0,7% cette année, après un recul de 0,08%. L'Équateur est privé actuellement d'exportation pétrolière par des ruptures sur ses deux oléoducs, dont la réparation prendra un mois selon les autorités. Sous programme avec le Fonds monétaire international, le pays a demandé la semaine passée un moratoire sur le paiement de 811 millions de dollars d'intérêts sur sa dette publique, qui approche 41,8 milliards de dollars, afin de dégager des ressources pour lutter contre le coronavirus. Le pays a vécu en octobre une dure crise sociale, 8 morts, après le doublement des prix des carburants finalement annulés tirés consécutifs à la suppression de subventions. Monsieur Moreno avait transféré le gouvernement à Guayaquil et accusé son prédécesseur et ex-allié Raphaël Corri, 2007 à 2017, d'avoir activé un plan de déstabilisation aidé par le Venezuela. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.